Il nostro inizio con Lina Bobardi è stato nel 2013 per il convegno del centenario della nascita, che è stata nel 2014, e il nostro interesse è dovuto al fatto che Lina Bobardi ha studiato alla Facoltà di Roma, dove anche noi siamo stati studenti e ora siamo docenti. A partire da questo convegno abbiamo deciso di continuare i nostri studi e le nostre ricerche su Lina. E nell'ambito, in questo tempo successivo, c'è stato l'incontro con Elisabeth e la proposta di condividere, di fare un progetto insieme. Proprio perché la figura di Lina Bobardi in realtà è una figura non è troppo conosciuta e nello stesso tempo è un personaggio molto articolato, pieno di sfaccettature e soprattutto è una donna che ha realizzato delle architetture. E per noi che siamo in larga misura delle giovani professoresse al femminile, è un'interlocuzione molto importante. Con Elisabeth, però, ci siamo anche interrogate su come presentare questa architetta così poco conosciuta, non solo se vogliamo in Italia, ma ancora di più in Francia. L'idea è stata, la proposta è stata quella di un'esposizione interpretativa. Proprio, diciamo, a partire da un confronto da due approcci differenti, non solo alla figura di Lina Bobardi, ma anche alla sua architettura. E parlando è venuto fuori l'importanza della Scuola di Belleville o anche la capacità della Scuola di Belleville di lavorare sui plastici e nel riflettere a un approccio originale che non fosse quello consueto delle numerose mostre fatte su Lina Bobardi, si è pensato ad attivare appunto vari insegnamenti sull'opera di Lina Bobardi, puntando sulla fabbricazione e la reinterpretazione delle sue architetture. In questo senso abbiamo il gruppo di Roma ha partecipato sia con tutti i materiali elaborati, grafici elaborati per il convegno, che significa la parte biografica di Lina, la cui vita comincia a Roma fino alla morte a San Paolo. E intorno a questo ci sono stati tutti gli altri insegnamenti, compreso l'approccio fotografico. Le projet de cette exposition est né en juin 2015, lorsqu'Alessandra Cricogna, qui était de passage à Paris, m'a proposé de réfléchir à la manière de rendre visibles les résultats du groupe de recherche, Officine Bobardi, dont elle était responsable à Roma Sapiens, et en articulant ces résultats aux enseignements de nos deux écoles. Dès septembre 2015, j'ai soumis cette proposition avec d'emblée l'idée de m'appuyer sur les ateliers Maquettes et Bois de l'ENSA de Paris-Belleville et les enseignants qui en sont responsables, à savoir Hervé Roux, Ludovic Bost, Patrick de Glaudebès et Martin Monchicourt, et également de solliciter le cinéaste Arnold Pasquier. Nous ont rejoint ensuite Eva Baudreau et Louise Buriel-Bielsa et à Roma Sapiens, trois enseignements ont été mis en place. Pour moi, le grand intérêt de cette exposition est non seulement de faire découvrir ou mieux faire connaître cette grande figure féminine de l'architecture moderne du XXe siècle, mais aussi de mettre ensemble, autour d'un même objet, des enseignants et des étudiants de deux écoles et de confronter ainsi des méthodes d'analyse et des modes de représentation. Pour assurer cette rencontre, nous avons fait le choix avec Alessandra de travailler sur quatre œuvres majeures de Lina Bobardi, trois œuvres paulistes, la Maison de Verre, le MASP et le CESC Pompeia, et une œuvre qui se trouve dans la région de Minas Gerais, l'église Espírito Santo de Cerrado. L'idée était d'étudier ces œuvres à travers différents modes de représentation, maquettes, dont de très grandes maquettes, pliages, design graphique, reproduction du mobilier ou de supports d'exposition.
Nous avons souhaité également faire accompagner ce travail par le récit de la fabrique à travers les films réalisés par Arnold Pasquier. De ce fait, on peut dire que le sujet de l'exposition s'est déplacé de l'architecte et sa pensée architecturale, ce qui aurait conduit à une narration chronologique ou thématique, à l'œuvre d'architecture et sa connaissance à travers le prisme des enseignements. Un élément important à souligner est le choix que nous avons fait de laisser le projet suffisamment ouvert aux diverses interprétations dans une démarche qui rentre en écho avec celle de Lina Bobardi qui elle-même accordait une grande importance à la conception sur le chantier allant jusqu'à déplacer son agence sur le lieu de la construction, comme ce fut le cas par exemple pour le CESC Pompeia. Par ailleurs, nous avons également souhaité créer un centre de documentation dans l'espace même de l'exposition afin de permettre aux visiteurs de se construire sa propre connaissance de l'œuvre. Le catalogue prolonge l'exposition avec 18 auteurs italiens, brésiliens, français, néerlandais, dont certains ont connu Lina Bobardi. Et plusieurs événements l'accompagnent, conférences, journées d'études, projections de films, studios de projets. Et nous espérons également qu'à chaque étape de sa future itinérance, elle pourrait s'enrichir d'autres apports pédagogiques. L'objectif de cet enseignement réside dans la découverte et l'approfondissement de méthodologies de lecture et d'analyse d'une architecture construite à travers une reproduction ciblée des plans et des différents systèmes constitutifs. On entend par là un ensemble choisi de grilles de lecture du bâtiment, l'implantation sur le site, le programme, les tracés régulateurs, la structure, la couverture et le cheminement de l'eau de pluie, la peau et l'isolation, l'éclairage naturel et artificiel. On s'attache à analyser à travers ces éléments tant l'intention de l'architecte constructeur que l'explication et la compréhension du moyen technique utilisé et de sa représentation. Ce n'est pas seulement une photographie exacte de l'ouvrage étudié que l'on cherchera à reproduire, mais plutôt un état possible de l'ouvrage cohérent et fonctionnel. Ainsi, l'ensemble des systèmes constructifs devra être perçu à la fois comme une grille d'analyse du bâtiment et une panoplie d'outils à disposition des futurs architectes. L'enseignement cherche à valoriser des outils, souvent techniques, comme levier de valorisation d'un choix architectural. La mise en plan, les maquettes, les schémas que l'on évoque sont alors autant de moyens de valoriser et d'expliciter ces différents systèmes. Les représentations demandées aux étudiants cherchent l'efficacité tant dans la communication du message que dans le temps et l'investissement qu'ils demandent. En définitive, c'est une vision globale et transversale de l'ouvrage étudié que cet enseignement cherche à souligner à travers une lecture et une réécriture qui balaie autant les sujets techniques que les intentions et choix possibles desquels ils découlent. Au cours de ce semestre, les étudiants Pierre Degers et Ali Ghezi ont étudié respectivement le MASP et le CESC Pompeia. Chacun en a fait sa propre lecture à partir des ouvrages dont nous disposions. Il en est notamment ressorti un usage extrêmement varié du béton qu'ils ont tous deux pu dessiner et par là même analyser. Chez Lina Bobardi, ce matériau est utilisé de manière très technique. Il reste brut en laissant apparaître des traces de construction, des imperfections et la continuité de la matière propre au béton. Ainsi, les poutres permettant la portée de 74 mètres du MASP constituent une prouesse technique autant qu'elles servent l'architecture en libérant la place au niveau de la rue et en permettant d'oublier que celle-ci est en réalité un toit d'une partie du musée située en dessous du bâtiment. À travers le CESC, étudié pour sa partie neuve, trois grands systèmes constructifs ont pu être ressortis. Les deux bâtiments abritant le programme sportif et des planchers usuels en béton armé, les passerelles dont le garde-corps constitue les poutres porteuses et le château d'eau, un grand cylindre coulé par niveaux successifs avec un effet de coulure du béton voulu spécifiquement par l'architecte. L'incontro con Lina Bobardi è cominciato proprio al convegno, quando sono stata coinvolta nella lettura degli spazi domestici di Lina. Con Alessandra ci siamo confrontate anche con un saggio che poi ha avuto un esito
in una sua bella pubblicazione, e poi l'incontro con Belleville e la proposta di indagare attraverso il modello di architettura la struttura architettonica dello spazio domestico. Quindi sono tornata di nuovo dentro la casa di Vidro, con il contributo di Alessandro Lanzetta, che con una bella lezione e con le sue fotografie è riuscito a spiegare agli studenti la struttura, le dinamiche compositive e le contraddizioni di questo spazio architettonico. Ma perché io poi ho voluto in qualche modo far approfondire agli studenti questa casa? Il corso era un corso di architettura degli interni. Oggi l'architettura degli interni è lo spazio professionale delle trasformazioni, delle modificazioni sostanziali di qualcosa che esiste, che c'è, che è il patrimonio esistente. Quindi trovare in alcuni testi architettonici importanti della modernità il metodo proprio progettuale per capire come si trasforma un'architettura era il campo di sperimentazione didattica. Il progetto della manipolazione, così l'ho voluto denominare, è il modo con il quale l'opera viene in qualche modo analizzata, scomposta nei suoi elementi primari, quindi gli elementi puntiformi della struttura, gli elementi piani di queste superfici che scorrono soprattutto nel grande spazio della zona giorno, ovvero i volumi che compongono la parte retrostante, quindi la zona più privata della casa. Come analizzare l'opera? A cominciare proprio dalla scomposizione di questi elementi. Quindi gli studenti erano chiamati a intanto rifare il plastico dell'opera e poi cominciare, come dire, a distruggerlo, a demolirlo, a rompere quelle parti che erano in grado di poter subire delle modificazioni. Quindi la manipolazione è una modalità con la quale l'esistente mostra le parti resistenti della propria struttura architettonica e consente la trasformazione di quelle più deboli. Gli esiti sono stati molto interessanti. È stato assegnato agli studenti il compito di pensare una nuova funzione per la Casa de Vidro. Chi ha pensato a farne una fondazione, uno spazio museale, uno spazio per il tempo libero. I risultati sono stati davvero molto particolari e anche hanno mostrato questo potenziale latente che c'è in ogni architettura, che rappresenta per ciascuno di noi un testo di attraversamento, no? Cioè una modalità proprio per un campo metodologico, proprio come diceva Roland Barthes quando ha insegnato ai propri allievi a analizzare l'opera e farla diventare un testo. Ecco, l'opera di Lina è un testo architettonico che è stato scomposto e ricomposto in una nuova unità progettuale. L'exposition est l'occasion de regarder attentivement le travail de Lina Bobardi, de le comprendre en produisant, en refaisant à l'identique les mobiliers conçus pour le Sesc Pompeia. Tels les archéologues, les étudiants doivent en retrouver le dessin, les proportions, les matériaux, les assemblages, d'après les photographies. Rien ne va de soi, le travail de Lina Bobardi est simple mais précis, rationnel dans les compositions et les suites arithmétiques, étonnant dans le jeu des échelles et des encombrements. Mais ce qui étonne encore davantage, c'est sa capacité à inventer de nouveaux types de meubles en créant des hybrides. Ces meubles ont un caractère monumental, de par leur échelle, leur densité, leurs proportions. Cette monumentalité souligne la dimension publique et collective du contexte. Deux matériaux sont utilisés, le bois et le béton, pour très peu de savoir-faire. La production comme les ressources sont économes et hyper locales. Lina Bobardi choisit cette matière brute et chaude, capable de supporter les petits défauts d'exécution, mais aussi les éraflures, sans que cela n'en affecte le caractère et la force. Ces meubles sont parfaitement adaptés aux contraintes, à la rudesse des usages, aux sollicitations que suppose la vie collective. S'ils sont lourds, ils n'en restent pas moins mobiles. S'ils sont parfois rudimentaires, ils réchauffent par leur présence, répondant davantage au confort du collectif qui rassemble qu'au confort individuel qui isole. Souvent, les architectes prescrivent des produits ou dessinent des meubles agencés comme des prolongements du bâti.
ou encore des meubles signatures qui souffrent d'être rarement au service du projet. Lina Bobardi pose la question de quoi dessiner, quand dessiner et à quelle fin. Elle montre que le contexte architectural singulier amène des réponses mobilières spécifiques et originales, que le dessin mobilier répond de l'architecture. Ces meubles qui en inventent de nouveaux types génèrent des circulations, structurent des espaces et des comportements, invitent à des usages. Ils permettent d'habiter en répondant aux besoins fonctionnels, mais également aux besoins d'appropriation. Il y a un souci de liberté chez Lina Bobardi, d'offrir la liberté pour chacun, dans ce cadre du collectif, de s'approprier et d'imaginer les fonctions, les usages, le décor. Au terme du processus de reconstitution et de fabrication, les meubles apparaissent réellement à l'œil et s'offrent au corps. Au regard du contexte du sexe Pompeia, les étudiants en apprécient et en éprouvent les qualités, les faiblesses, mais aussi ce qui fonde la pensée de Lina Bobardi. La seconde étape les invite à interpréter les mobiliers. La règle est simple, ils ont le droit d'en changer un paramètre. Il s'agit pour eux de comprendre à quel point le moindre changement engendre une nouvelle conception. Changer de typologie, c'est changer l'architecture du meuble. Changer de matériaux ou de système d'assemblage, c'est assurément repenser l'intégralité du meuble. Lina Bobardi a beaucoup travaillé sur les problématiques muséales. Elle réalise le MASP, Musée d'art de Sao Paulo, et propose un ensemble composé de murs accueillant l'exposition, mais aussi de la scénographie, des mobiliers et objets scénographiques. Dans la grande salle du MASP, les tableaux flottent à hauteur de vue, tous orientés dans le même sens. Le dispositif permet aux visiteurs, au fur et à mesure de son parcours, d'accéder à l'envers du décor, au revers des tableaux laissés apparents. L'autre exemple est celui de l'exposition Nord-Est. Lina Bobardi a réalisé la scénographie avec des tasseaux vissés et cloués entre eux. Ici, les codes de l'architecture sont forts. Ce sont ceux de l'urgence, de la pauvreté, de la modularité, faisant fortement penser à des échafaudages, par exemple. La structure d'apparence simple est néanmoins complète et autonome du bâti. Ça permet à la fois le réemploi du matériau, la modularité de l'ensemble et de s'adapter à tout type d'espace, tout en conservant le lieu d'exposition intact. De la même façon que pour le mobilier, ce travail commence par une analyse d'après photographie, puis rapidement renforcé par l'arrivée des croquis et dessins cotés. Ici, les montants sont modulables en longueur et interchangeables, permettant ainsi de s'adapter à d'autres lieux et d'autres dispositifs scénographiques. Il était important pédagogiquement de proposer aux étudiants de réinventer un système adapté à toutes ces contraintes et de ne pas simplement reproduire un dispositif constructif. Les étudiants se sont alors appropriés le travail de Lina Bobardi et tout particulièrement le détail des ouvertures troglodytes du Sesc Pompeia, à la fois en tant que maquette mais aussi comme élément scénographique de l'exposition. C'est cette fenêtre devenue icône qui accueille le visiteur. C'est à travers elle, en manipulant le volet en bois peint en rouge, qu'il découvre, dans un dispositif de mise en abîme, la maquette transparente du Sesc Pompeia avant de pouvoir s'en rapprocher. Le travail consiste à s'imprégner de l'esprit de l'original, de trouver les solutions qui tendent de s'en rapprocher, de respecter le contexte pédagogique que propose l'atelier, qui inclut les différentes options de mise en œuvre, les contraintes de matériaux, d'encombrement, de poids et de transport. Cet enseignement d'une semaine explore différents modes d'expression de la maquette, découvrant et mettant en œuvre et en valeur les moyens d'expérimentation, d'expression et de représentation qu'offre l'atelier maquette de l'ENSA de Paris-Belleville. Ici, la maquette vise à échapper à la simple représentation de l'œuvre de Lina Bobardi à travers la fabrication de plusieurs maquettes dans une large palette d'échelles et de matériaux choisis pour découvrir, interpréter, explorer et se rendre compte de la force et sensibilité de son œuvre. Outil de transformation, de compréhension, de recherche et d'expression, la maquette est abordée à travers une prise de position autour de son rôle, une exploration de concepts théoriques des modèles, un choix de matériaux pour mettre en valeur et faire ressortir ses enjeux, une mise en évidence du lien avec la réalité sensible et perceptible d'un objet dans sa qualité et sa logique interne.
Ce concept de logique interne est crucial. Au même titre que la logique interne dans la construction d'un plan ou d'une coupe. Par cela, nous comprenons l'ensemble des contraintes et des possibilités liées aux matériaux avec lesquels nous avons construit le modèle. Capacité porteuse, tolérance, couleur, texture, joints et dimensions de fabrication, y compris les machines de découpage qui sont aussi qualifiantes. De la même manière que certains logiciels deviennent intermédiaires pour une conception et manipulation de l'espace, la maquette fait partie de cette compréhension. Pour qu'elle soit un vrai outil de recherche, la matérialisation du modèle doit être au service d'un propos, d'une réflexion et surtout d'un regard spécifique. Celui de la personne qui l'a fabriqué après une analyse attentive du projet original. Si le propos est clair, s'il y a une lecture à traduire et à communiquer, la maquette doit transcender un rôle purement descriptif. Elle invite à se projeter dans une expérience spatiale, de ressenti, de stabilité dans le passé, le présent ou le futur. Ainsi, elle donne forme à une idée, un concept, une intention. Elle peut être descriptif et ou sélectif, jamais neutre ou moite, toujours expressif. Son mode d'écriture ne laisse pas indifférent. Elle propose une approche concrète et suscite la critique. En même titre que les formes cherchant derrière Sophie Desmerons, elle devient moteur de projet par sa capacité à induire discussion, débat, questions et révélations. La conception et réalisation de maquettes a tout répondre à une exposition pensée itinérante. Ainsi, dans un souci de pérennité des travaux réalisés, leur conception doit autoriser montage, démontage, transport et stockage. Une problématique propre à l'objet qui dépasse la simple représentation et qui devient une nouvelle contrainte, une mise à distance par rapport au projet original. Abbiamo raccolto l'invito di Alessandra Criconia di fare questo workshop del tutto sperimentale attraverso una tecnica di interpretazione del progetto di Nina Bobardi che i nostri studenti non avevano mai conosciuto perché spesso sono chiamati a fare dei progetti e non a fare dei workshop di rappresentazione. Qui la parte progettuale è l'interpretazione dei disegni e la scelta attraverso la selezione di dettagli o elementi costitutivi dell'opera di Nina Bobardi in delle piccole tavole per arrivare a una sintesi di comunicazione del progetto, confrontando i disegni originali e le opere costruite. Stanno lavorando su queste diverse scale, sul colore, sul rapporto della luce, che questa tecnica del kirigami potrà venire fuori attraverso la loro rappresentazione. E nel nostro laboratorio di design della comunicazione abbiamo chiesto ai nostri 50 studenti divisi in gruppi di analizzare e individuare quelle che fossero le caratteristiche principali di Nina Bobardi. Gli studenti hanno indagato sulla sua vita, sui progetti di Nina, individuando delle chiavi fondamentali, chiavi che ogni gruppo ha interpretato e restituito attraverso la progettazione di un'identità visiva costituita da un logo Nina Bobardi e da un manifesto. Il manifesto è stato poi dedicato a questa mostra. Molti sono gli aspetti su cui gli studenti hanno lavorato. C'è chi si è interrogato più sull'aspetto materico tipico delle opere di Nina Bobardi, chi invece ha interpretato il tema del gioco, tanto caro alla designer italo-brasiliana, e infine l'interpretazione della designer per quello che è stato il suo aspetto più personale, e cioè i viaggi, una Nina interessata alle contaminazioni culturali, oltre che alla scoperta di nuove realtà. Il gruppo individuato per la realizzazione del visual dell'intera mostra
aveva indagato diversi aspetti, ma poi ha focalizzato la propria proposta intorno a quella che potesse mettere insieme la natura architettonica di Lina con una sorta di finestra sul mondo, un mondo fatto di persone, ma anche di elementi vegetali che spesso hanno convissuto con le sue architetture, un mondo di giochi, quindi anche evidenziando questa attitudine all'aspetto ludico, e di opere di altissimo livello innovativo. La mia esperienza con, diciamo, gli spazi architettonici di Lina Bobardi nasce veramente dall'incontro, nel senso che io prima di arrivare in Brasile con appunto un workshop di studenti conoscevo pochissimo della sua architettura, quasi nulla. E la cosa interessante che in qualche maniera mi ha spinto a approfondire sempre di più, diciamo, l'argomento è stato che correndo gli spazi ci si rendeva conto che molte delle, diciamo, tematiche dell'architettura italiana di un certo periodo strano, quello che dagli anni 30 fino, diciamo, al neorealismo e pure un po' dopo in Italia avevano avuto degli esiti di un certo tipo, in Brasile sembrava che quegli stessi temi in Brasile avevano avuto degli altri esiti molto interessanti e molto diversi. La fotografia a questo punto è diventato un mezzo veramente di indagine per riuscire a capire negli spazi, ma anche negli arredamenti, nei materiali, nelle grane dei materiali, nella maniera di utilizzare la luce, i muri, le trasparenze e le opacità, appunto tutte le tracce di appunto questa eredità italiana che in qualche maniera nella realtà coloratissima e tropicale del Brasile avevano preso tutt'altre strade. E questo appunto secondo me è stato possibile anche proprio dal carattere della fotografia, che ha questo carattere indiziario, cioè di riuscire a trasmettere sempre delle piccole tracce di eventi che in qualche maniera non si possono spiegare in maniera troppo razionale, soprattutto nel Sesc Pompeie. Questa attenzione per l'architettura umile, per l'architettura vernacolare, per diciamo la gente come vero protagonista dello spazio architettonico è chiarissimo. La fotografia è probabilmente il mezzo che riesce a restituire di più tutti questi aspetti, piuttosto appunto che gli strumenti canonici del fare architettura.